Épisode numéro 44, et sans plus attendre, voyons ce qu'il y a derrière cette porte. Je peux quand même pas les tirer ces blocs-là, si? Alors, du coup... d'accord. C'est vrai que comme je peux les faire fondre, il suffit de les faire fondre. Ça c'est malin. Bon alors comme ça j'ai envie de faire fondre le numéro 1. Faut pas que je m'approche trop. Voilà. Comme ça, ça me laissera plus de liberté. Quoique, comme il faut tomber pile sur le nombre qui est marqué, c'est pas forcément la bonne idée en fait. On va bien voir ce que ça donne. Je sens que je vais encore coincer sur cette énigme. Non, je sais pas comment faire là. Je pense que c'est mort. Ça va pas être facile. Attendez, peut-être que si je casse le 2, si je fais fondre le 2 au lieu du 4, ça pourrait mieux marcher. J'ai peut-être un plan. Ah non, le 3 plutôt. Je pense que c'est le 3. Alors pour commencer, je place le 3 là-haut provisoirement. Pouvoir aider celui-ci à venir là-haut. Deuxièmement, je fais ça. Et c'est gagné. Voilà, donc il fallait faire fondre le numéro 3. Cool. J'aime bien ce genre d'énigme. Je me répète, mais c'est parce que... j'apprécie vraiment. Alors ici, on a 4 blocs. Et là, il y a quelque chose sous celui-ci. Ah, je vais quand même tous les faire fondre juste pour être sûr. Ok. Non, c'est ça. même si on est dans le temple de l'eau, c'est pas les poissons que je voulais regarder. C'était juste la carte. Donc là... ah oui, d'accord. J'ai débloqué un passage. Ah. Installe fausse dans la glace. Ma bombe elle est pas très bien placée. Si, c'est bon. Et j'ai débloqué un deuxième passage. Toi, je te brûle. Je te brûle. Allez, encore une énigme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je sais pas du tout ce qu'il faut faire en fait. En attendant, je débloque ce passage. Ils veulent pas se pousser ceux-ci? Si, si, ils veulent bien se pousser, y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec 3 blocs comme ça? Est-ce qu'il faudrait pas par exemple en mettre deux au centre et puis faire fondre le dernier? Ah, ou alors il faut aller dans une autre salle, obtenir le code ou je sais pas, obtenir la combinaison. Parce que là, je sais, je vois pas. Ils disent pas ce qu'il faut faire. Je pense que je peux m'amuser longtemps comme ça à déplacer mes blocs.
Allez, je vais arrêter ça parce que je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Ici, y a plus rien. Je tourne en rond. Attendez, c'est pas là que j'avais débloqué? Ah si, c'est ça. Je viens de débloquer cette porte, entre autres. Ouais, comment je fais? Plouf. Alors, il y a d'autres portes que j'ai débloquées en même temps. Je pense par ici. Bah non, c'est pas ça. Je suis perdu. Par ici. Ah non. Ah. Ah oui, d'accord. Excusez-moi pour tous ces allers-retours inutiles. J'avais très mal mémorisé ce que j'avais débloqué en fait. Donc il faut aller par là. J'ai froid. Et par là. Lui, je m'en fiche, j'ai déjà tué. Voilà, c'est ça que j'ai débloqué. Donc là on est dans une nouvelle partie du donjon. Ça me rappelle quelque chose, un vase comme ça derrière de l'eau. Il y avait la même chose dans le donjon numéro... numéro 2. Non. Dans... si, peut-être le donjon numéro 2. Le temple de la sagesse. Et j'ai... c'est un vase que j'ai toujours pas pu soulever. Cela dit, j'ai eu... aïe. C'est dangereux ça. Je sais que j'ai eu toutes les gemmes de force dans le temple de la sagesse, donc ça doit pas être ça. Ok, ça c'est pour pouvoir revenir facilement. Et après, comment on va là-haut? Je peux pas utiliser mon grappin depuis l'eau. Hein. Peut-être qu'un jour je pourrai avec un nouveau grappin. Par exemple, un grappin qui pourrait s'accrocher au coffre. Donc ça, ça ressemble à une salle que je connais, mais c'est pas la même. Et y a pas d'eau. Par contre, ça, c'est une salle que je connais. Ok. On va devoir refaire tout le tour. Sauf que de ce côté-ci, ça va plus vite, heureusement. Ensuite, il faut aller par là. Et c'est ça que je voulais faire. Ah, mais j'ai pas de clé. Je n'ai pas de clé. Par là, je sais très bien que c'était bloqué. Donc, j'ai quand même vérifié, mais... normalement, c'est mort. Par contre, je veux ce cœur.
Voilà, pareil, je peux pas soulever les vases depuis l'eau. Donc, impossible. Là où je viens d'y aller, il me manque la clé. Qu'est-ce que j'ai pas visité sinon? Ben voilà, ici je sais pas du tout comment voir ce coffre. Non, là je peux pas passer. Hein. Et puis là ça me ramène à cette fameuse énigme. Peut-être qu'il faut quand même que je la résolve tout de suite. Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais bien les mettre dans les coins, mais... Comme il n'y a que 3 blocs, je sais pas quel motif, quelle forme je dois créer. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas eu d'indice. Je fais n'importe quoi à nouveau là. Là, j'avoue que je suis complètement bloqué. Alors peut-être tout simplement que comme j'ai accès à plusieurs donjons, celui-ci n'est pas... Peut-être que je les fais pas dans le bon ordre. Et qu'il me faut un objet particulier pour pouvoir résoudre ces passages où je bloque. Là j'ai l'impression de tourner en rond et de ne plus rien trouver. Et ici je suis au rez-de-chaussée, enfin au moins un, et... Et là aussi j'ai fait tout ce qui était possible. Là où il y avait un coffre, mais je sais pas, j'ai jamais réussi à le faire apparaître. C'est bien frustrant tout ça. Et puis là, je pouvais rien faire non plus. Hein. Ah. Bon, ben on va laisser ce donjon de côté au moins provisoirement parce que là on est bloqué. Je sens du temps accéléré. Évidemment, j'apparais pas au bon endroit. Non. Je vais trop vite. Du coup, où étaient les autres donjons auxquels on pouvait accéder? Le ou les autres donjons, je sais même plus. Je suis à peu près sûr qu'ils étaient dans le passé de toute manière. Donc il y a la grande pyramide. La grande pyramide, là oui, peut-être que je peux y aller. On va essayer, hein. Je vous promets rien. Et la grande pyramide, on va passer par le... Peut-être par le futur. Allons-y. Donc là, la version future, j'ai déjà faite. Ensuite, la version présent, on est bloqué. Ça, je m'en souviens. Par contre, la version passée, je dois pouvoir la faire.
Voilà, Temple de la Terre, ça s'appelle. Oula. Je vais pas les tuer ceux-là? Et à coup de torche? Non. Et à coup de grappin? De bombe? Oups. De flèche? Purée, ils sont immortels. Ok, bah comme ça c'est clair. Ah non! Pas tarder à mourir là. Alors, tiens, là, c'est des pierres qu'on peut soulever, ça, non? Ah, non, c'est peut-être trop lourd pour nous. Bon, donc là, je peux rien faire. J'ai l'impression que ce donjon... Oups. Que ce donjon va tourner court. En plus, là, ben, je peux pas passer puisqu'il me bloque. Ben voilà, c'est terminé pour le temple de la terre. Ah, ah, mais ça j'avais pas essayé. Ah non, j'avais oublié d'essayer cet escalier. Cependant, on peut rien faire non plus. Donc clairement, ce donjon, c'est pas pour tout de suite. On dirait qu'il y a quand même bien un ordre entre tous ces donjons accessibles. Je vais quand même essayer... mettre une bombe ici. Je peux pas les tuer ceux-là. Non, la bombe n'a pas d'effet. Bon. Demi-tour toute. On évacue les lieux. On n'a rien à faire ici pour l'instant. Alors, autre possibilité. Dans les montagnes. Dans les montagnes, je crois pas qu'il y avait un donjon. Ou alors il y en avait un, mais on pouvait pas rentrer. Oui, il y avait une entrée de donjon. Je m'en souviens, il y avait une entrée de donjon, mais on pouvait pas entrer dedans. Je vais quand même y aller parce que... il pourrait y avoir quelque chose dans le futur, par contre. Alors, je vais passer par le futur. Je suis obligé, de toute façon, quand je suis dans le désert. Ça. Parce que je me souviens plus être venu ici dans le passé. Mais c'est probablement ma mémoire qui est défaillante une fois de plus. En tout cas, on ne peut effectivement pas aller dans le désert autrement que depuis le futur. Et puis là, on est bloqué. Donc, direction... J'ai encore un tout petit peu de temps. Direction les montagnes. Direction le village Cocorico. Ah, des rubis. Les montagnes. Alors, on va passer par le donjon si possible. Par là. Ah, raté. Par là. Et ensuite, par ici.
Donc là, nous avons le temple de la sage de la force. Champ du temps inverse. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Voilà, c'est bien ce que je disais. Temple du feu, mais on peut pas y entrer. Par contre, je me souviens plus ce que j'avais vu en allant dans le futur. D'accord, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est peut-être pour ça que je m'en souvenais pas. Ah non, pas eux. Non, donc il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de temple ici. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'il n'y avait pas un temple? Alors attendez, je vais revenir dans le présent. Non, là, c'était bloqué. On remet une bombe. Peut-être que tout simplement, il faut que je retourne au temple de l'eau et que j'ai raté quelque chose. Ça, quand on a plusieurs temples visitables, on a rapidement tendance à penser à tort qu'on n'est pas dans le bon, qu'on n'a pas tous les objets nécessaires pour le résoudre. Du tout là. Ça y est, c'était pas là. Je me souviens enfin, je crois me souvenir, où est un autre temple que j'avais découvert dans une vidéo précédente. J'avoue que j'ai du mal à mémoriser les trois cartes, les trois mondes en parallèle. C'est tellement, tellement vaste. Ce qui est génial, hein, y a pas de souci hein, là-dessus, vous inquiétez pas. J'adore. De toute façon, ce serait pas intéressant si c'était trop facile. Voilà. Temple de l'air. Ah, ça y est. Et bien dans la prochaine vidéo, nous ne visiterons pas le temple de l'eau, ni le temple du feu, ni la... Je sais plus comment ils s'appelaient les autres que j'ai trouvés. Celui qui est dans l'ancienne grande pyramide. Mais nous visiterons le temple de l'air. Salut à tous !